wametumana hivi kwa ndugu wapenzi kujina ya koordinasyo ya machama eti mwasamehe sana kwa makosa yote ambayo mlisikia juzi juzi lipitikana haikuwa mpango ya Mungu ilikuwa mpango ya shetani msameheane mpane msamaha wewe unatupatia msamaha wajione kuweka mikono juu ewa asante haitaongeza kufanyika Mungu awabariki amen hii vita tunayofanya hii vita tunayoifanya vita hii tunayoifanya ya nguvu tuelewane wadugu na inaomba kila mtu kufanya kazi ili tuweze kuweza vita hii unaona kupigana bila chakula kupigana bila nguo kupigana bila masasi kujidebrie kusudi upate kupigana kupigana unapotukumikisha miti mawe kutafuta shisha ngambo na ngambo ili tuwezi kuweza hii vita. Na niyo maana wa ndugu, hii vita ni ya shida sana. Na inaomba, nyinyi wakaaji, kutusaidia sisi sote tunaenda pamoja mwi hivi, mwi vita. Tunaelewana? Ndio. Mjipigia mikono. Wangapi ambao watatusindikiza? Kama tunakomesha unyanyasi na wizi na kila kitu kibaya chote. Asante sana Mungu awabariki. Na tunawaomba sasa nyinyi kujikaza, mnasogelea serikali, guvernema yetu. Jinsi nayo ishatambua kama tuko mvita ya nguvu. Nayo ituunge mkono pamoja na nyinyi ili adui wa nchi tumfukuze nje ya nchi yetu tupate amani. Ni kusema ni kuomba serikali nayo inajiunga na sisi sote ili tusaidiane kumfukuza adui nyinyi serikali na sisi wa wazalendo. Leo tuliungana tunapokuwa chama ya CMC ya General Domi, ANCDH ya General Jamari, APCLS ya General Janvier Karaïde, NDC renové ya General Guido, EPP ya General Kabido, na wengine ambao waliona kama inchi inateseka, inchi nataka enda, hao njoo walianza chaka hii ya kuanza hii vita kusimamisha uingiliaji wakati ya inchi ya Rwanda na wengineo ili tuweze kupigana na adui. Hawa ndio nimetaja, ndio walianza. Mekwa leo sasa. Kila mtu, kila fasi mkaacha nasikia hii nchi nataka enda kweli. Na ndio maana wengine nao walikuwa kuzunga na hao wenye nimesema. Bonjour mesdames et messieurs, merci de votre fidélité, c'est Congo Live. Ce matin, nous sommes le mardi 10 octobre 2023. Moïse Sehangi avec nous ce matin. En direct et en exclusivité. Moïse, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour tout le monde. Vous allez bien? Nous allons très bien. On commence par les actualités de votre côté. C'est quoi les nouvelles ce matin? Alors ce matin, ce qui a beaucoup plus marqué notre attention, c'est la sentence, le verdict qui est tombé de la cour militaire, pas la cour militaire, le tribunal militaire du Nord Kivu qui a effectivement condamné à une peine maximale le visionnaire, le prophète Ephraim Bissimwa, leader de la secte Wazalendu Messiata. Il y a aussi certains adeptes, 63 adeptes qui, en tout cas, ont été condamnés, certains pour 10 ans, d'autres pour 20 ans. Aussi, j'ai eu moi-même l'intérêt de... Je me suis associé à ses compatriotes, nous sommes partis hier jusqu'à Macao façon effectivement de nous recueillir et rendre hommage aux compatriotes décédés les 30. D'accord. Ça c'est une nouvelle qui m'a beaucoup plus vraiment marqué. La deuxième nouvelle, c'est en tout cas au niveau de la présidence, au niveau national, nous sommes en train de voir pas mal de candidats défiler. C'est au niveau de la CENI, effectivement, et déposer leur candidature. Déjà une femme, il y a déjà le président même, la République Tshisekedi, et même d'autres opposants qui ont déjà déposé leur candidature. Ça veut dire que déjà tout le monde est dans la danse. Nous attendons effectivement la publication. Oui, c'est le plan local dans les Massissi Rutshuru. Jusque là, la CENI n'est pas encore déployée dans ces zones. Nous attendons que ça soit pacifié. C'est que même en échangeant avec les responsables de la CENI au niveau de la province, ils nous ont dit, une fois le gouvernement
rétabli l'autorité de l'État dans les Rutshuru et dans les Masisi, nous sommes prêts à déployer nos équipements beaucoup. De l'autre côté. On parle sécurité encore ce matin. Monsieur Moïse Hangi, vous aviez, d'ailleurs, il faut d'abord préciser cette position des chefs d'État-major de la quadripartite. Ouais, voilà qui, leur position, en tout cas, qui fait réaction au Congo. Ces chefs d'État-major de la sous-région lors de la quadripartite insistent et exigent le dialogue pour la résolution de la crise. Par rapport, donc, ils exigent le dialogue entre le M23 et le gouvernement congolais. Comment vous trouvez cela? Alors, moi, je m'inscris en faux contre cette position, cette décision de ces organisations. Je parle ici de l'EAC qui, aujourd'hui, est devenu, en tout cas, un partenaire fiable aux M23. Je parle ici, effectivement, de la SADC qui ne nous aide pas à grand-chose. Il y a aussi ces deux autres organisations. Bref, moi, je pense que c'est déjà ça, en fait, la facette cachée. Et nous le disions depuis longtemps, l'EAC et ces autres organisations, téléguidées par la communauté internationale, jouent le jeu de l'ennemi. Et cette décision vient une fois de plus mettre de l'huile sous le feu. Est-ce que ces organisations n'étaient pas au courant de la position du gouvernement congolais? Nous, le gouvernement et la population, nous ne voulons pas, même notre mouvement, la Lucha, n'a jamais souscrit à un quelconque dialogue entre le gouvernement et les 23. Pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, c'est que ce sont des récidivistes. Même si on les approche à la table des négociations, je vous rassure, messieurs les journalistes, ils vont récidiver. Ils vont avoir certainement un certain nombre de choses sur lesquelles on va se convenir, mais demain ou après-demain, ils vont encore évoquer d'autres choses. Donc ça, d'abord, c'est faux. La deuxième raison, c'est que effectivement, ce sont des terroristes, ce sont les gens qui nous ont endéés. S'ils avaient des revendications à fournir au gouvernement, ils devaient les faire de manière pacifique. Mais ce n'est pas après avoir, effectivement, tué nos compatriotes, après avoir pillé nos ressources, que nous allons nous asseoir avec ce genre de personnes. Donc déjà là, la carte de la communauté internationale, elle est connue. Et pour moi, j'appelle le gouvernement à toujours désister à sa position. Pas question de dialogue avec le M23. Il faut les battre, il faut faire en sorte que ces gens comprennent que nous en avons marre. Il faut en découdre une fois pour toutes avec les terroristes du M23. Donc ça, c'est un non-événement pour nous. Ce message-là n'est pas la bienvenue au peuple congolais. Désolé, cher responsable SADC. Désolé, cher responsable EAC. Le peuple congolais comprend maintenant les jeux pour lesquels vous jouez et ne va pas vous laisser faire. Nous ne voulons pas de dialogue. Si vous voulez des dialogues, arrangez, harmonisez avec vos boucs émissaires du M23, vos aventuriers qui nous endaient ici du jour au lendemain, qui ont tué nos mamans à Kishishe, qui ont tué effectivement nos familiers à Rutshuru et qui continuent à nous endayer à Masisi. Nous ne pouvons pas dialoguer avec ce genre de personnes. Et puis nous savons ce que veut dire le contenu de ces verbes. Quand vous parlez du dialogue, nous savons ce que vous voulez. Vous voulez que nous puissions être encore infiltrés par le M23 au sein de notre armée. Vous voulez que nous puissions cantonner ces gens pour que demain ou après-demain, ils viennent encore effectivement nous mettre mal à l'aise. Vous voulez que Kagame effectivement, et une partie de son territoire ici au Congo, ce qui n'a pas. Vous voulez que Kagame se tape la poitrine comme il a fait échouer le président Tshisekedi et le peuple congolais. Ça, nous ne pouvons pas cautionner. Donc, vous vous inscrivez à fond et vous n'êtes pas concernés. Nous ne sommes pas concernés par cette décision des responsables de toutes ces organisations, de cette quadripartite. Et si c'est ça ce qu'ils vont encore soulevé pour la rencontre prévue les 4, je crois que le gouvernement jugerait mieux de ne même pas y être représenté. C'est déjà pour moi une occasion d'en appeler au président de la République, Félix Tshisekedi, et même à tous les membres du gouvernement à boycotter maintenant cette rencontre si telles seront effectivement les résolutions qui vont en ressortir. Après une large victoire des jeunes résistants dans les Masisi, c'est Wazalendo fonce dans les Rutshuru aussi. D'après, dans l'après-midi de ce lundi, les jeunes résistants ont annoncé avoir pris le contrôle de Kahunga
à environ 4 km de la cité de Kiwanja dans le territoire de Rutshuru. Comment expliquer la prouesse et la détermination de ces jeunes, monsieur Moïse? Ces jeunes, ils sont vraiment très, très habiles. Nous sommes en train de les voir. Et tout ce que personnellement je suis en train de me dire, c'est que ils ont besoin de l'appui d'une manière ou d'une autre du gouvernement. C'est une question de souveraineté, c'est une question de la sauvegarde de notre intégrité. Pas plus besoin de dire que non, il faut qu'on les fasse notamment. Moi personnellement, aujourd'hui, je suis de ceux-là qui pensent que le gouvernement congolais doit appuyer ses compatriotes. Ce sont des civils, ce sont des jeunes comme moi et qui ont envie effectivement de contribuer à la sécurisation de leur village et de leurs agglomérations. La moindre des choses que le gouvernement puisse faire, c'est de les appuyer. Les appuyer en munitions, les appuyer en logistique et tout. Parce qu'effectivement, si on les laisse, les M23 risquent de jouer la contre-attaque et utiliser certains Ouazalendou à leur avantage. Donc je crois que je continue personnellement à féliciter ces compatriotes. Je continue à leur dire que la mission qu'ils sont en train d'accomplir, elle est sacrée. C'est une mission, effectivement, qui revient à chaque Congolais, non seulement en tant que mission, mais c'est aussi un devoir. Et la moindre des choses que nous, la population, les peuples congolais, nous puissions faire, c'est de les encourager, de les féliciter. Et quand quitte maintenant au gouvernement, de pouvoir les appuyer d'une manière ou d'une autre. On n'a pas de choix parce que la situation n'est pas aussi simple que nous puissions le croire. Donc, ces jeunes vraiment sont déterminés, hein, et vous les soutenez aussi de près. Nous les soutenons de près, messieurs les journalistes. Nous avions confiance en eux. L'intégrité de notre territoire est menacée et chaque Congolais, tel que le dit notre loi fondamentale, pour ne pas dire ici la Constitution, chaque Congolais a les devoirs, confère l'article 64, a les devoirs effectivement de contribuer à la sécurité de son pays et de son territoire à chaque fois que celui-ci est menacé. Et pour le cas de Figuier, nous sommes menacés par les terroristes du M23 RDF, des messieurs qu'on appelle Paul Kagame. Paul Kagame, s'il faut le dire même ainsi, Paul Kagame, alors, c'est ces messieurs-là qui nécessitent effectivement de déployer ces éléments ici pour effectivement nous endeuiller et balkaniser une partie de notre province. Et le peuple n'est pas aussi dupe pour les laisser faire ces jeux-là. Et vous pensez que c'est MNA qui vont libérer toutes ces zones-là? Je suis très confiant que nos jeunes, aux côtés, effectivement, une fois des forces armées de la République démocratique du Congo, si on peut faire même en sorte que ça soit de manière tactique, le Ouazalendou, si la première ligne, et puis les forces armées reviennent en second lieu, je crois que ça sera une façon, effectivement, de faire en sorte que l'ennemi ne puisse pas trouver nulle part, il ne va vraiment pas se retrouver et nous contre-attaquer. C'est vraiment une très meilleure stratégie. Si ces jeunes peuvent attaquer à la première ligne, les FRDC reviennent en deuxième ligne. Et puis c'est plus mieux que les forces armées soient en alerte. À chaque fois que les Ouazalendou nous récupèrent une zone, c'est maintenant directement, à l'instant même, les forces armées devraient se déployer sur place et récupérer ça. Faute de quoi, si on laisse, dira, une longue période, certaines zones au Ouazalendou, je crois que comme ils n'ont pas trop de munitions, ils n'ont pas trop de logistique, c'est possible que l'ennemi se réorganise de là où il est et qu'il puisse encore effectivement récupérer ces zones. C'est mieux qu'il y ait effectivement cette collaboration directe entre les forces armées et les résistants Ouazalendou. Il y a la Bintou Keïta qui appelle à des escalades, la chef de la MONUSCO qui appelle en tout cas les autorités et aux partenaires au niveau local dans la sous-région de continuer le processus public pour aboutir à la cessation des hostilités et à garantir la stabilité à long terme. Lui, il appelle en tout cas à des escalades entre les 23 et ces jeunes. Donc elle ignore ce qu'elle a toujours dit. En fait, moi, cette dame, aujourd'hui, elle m'a déçu. Je suis de ceux-là qui pensent qu'ils ne doivent que partir. Donc déjà là, nous sommes en train de leur dire un message d'aveu.
a bien analysé ce message. Autrement dit, Bintou Keïta aussi appelle le gouvernement congolais à pouvoir engager un dialogue direct avec l'M23. Après, ce n'est même pas un secret des Polichinelles. Son big boss, son chef, Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, l'avait dit il n'y a pas quelques mois. Pour lui, il faut qu'il y ait un dialogue entre le gouvernement congolais et les terroristes du M23. On peut en déduire que même ce sont ces gens-là qui appuient la M23. Pourquoi ils insistent sur les dialogues plutôt que de nous aider? Les Nations Unies, c'est quand même une très grande organisation. Ils ont tout en fait. Et s'ils pouvaient effectivement venir aux rescousses, aux forces armées, la République démocratique du Congo et au gouvernement, peut-être que cette guerre prendrait déjà fin. Mais malheureusement, ce sont eux qui renforcent les messages appelant à la désescalade, à des pourparlers et à des négociations. Pour moi, c'est une grande déception et j'ai considéré ça comme étant une fois de plus un non-événement. Nous n'allons pas céder à toutes ces caprices. Donc pour vous, ce message n'est pas la bienvenue. On ne veut pas de dialogue avec l'M23. Les Nations Unies doivent nous écouter. Ils doivent écouter notre gouvernement. Ils doivent écouter les ras-le-bol et écouter au moins cette indignation qui caractérise les Congolais. Je puis vous dire ici, messieurs les journalistes, que ce que font le Azalendo, c'est le résultat d'une forte indignation, d'une profonde indignation. Et peut-être que le monde pouvait aussi comprendre cela. Mais malheureusement, il nous faut le contraire. Donc, pour vous, donc c'est toutes ces sorties-là, c'est donc un non-événement. Des sorties médiatiques déplacées, des déclarations que je considère comme état de non-événement et qui ne sont pas la bienvenue en République démocratique du Congo. Nous sommes un pays souverain, nous sommes un pays indépendant et nous nous assumons comme tel. Si les Nations Unies ne veulent pas nous aider, messieurs les journalistes, nous allons effectivement nous débrouiller entre nous. Vous allez vous débrouiller comment? Ce n'est pas là pour la première fois, messieurs les journalistes. Si vous interrogez l'histoire, nous étions dans ce qu'on appelle la colonisation. La colonisation consistait en ce que toutes les décisions que nous devrions prendre, toutes les mesures que nous pourrions prendre au profit de notre destin ou de notre avenir, elles devraient être travaillées au niveau des laboratoires occidentaux et venir nous être imposées ici. Mais pour maintenant, nous décidons sur notre destin. Nous ne pouvons pas laisser que ce soit des étrangers qui nous imposent les règles des jeux. Et ces mêmes étrangers, ils ne nous aident pas à grand-chose. C'est par contre eux qui comploterait avec l'ennemi. Et les messages qui sont en train de relayer démontrent clairement ce genre d'hypothèses. Donc, on peut en déduire, messieurs les journalistes, et je crois que même les téléspectateurs qui nous suivent maintenant, là, ils sont témoins. Visiblement, c'est peut-être la MONUSCO, l'EAC et ces autres organisations qui sont les vrais ennemis de la République démocratique du Congo. Et je le disais depuis longtemps, messieurs les journalistes, l'M23, ces petits groupes armés, à lui seul, ne pouvait pas nous mettre mal à l'aise. Il y avait effectivement des boucs émissaires. Il y avait une main noire. Et maintenant, là, nous sommes en train de les découvrir. La vérité est en train de jaillir. La main noire, c'est qui? La main noire, c'est les Nations Unies. La main noire, c'est l'EAC. La main noire, c'est toutes ces organisations sous-régionales qui nous demandent de dialoguer avec des terroristes. Même en droit international, on ne dialogue pas avec les terroristes. Mais je ne comprends pas comment est-ce que tous ces pays font semblant de comprendre cette réalité et ces principes-là. Comment est-ce que vous pouvez appeler à un dialogue entre un État souverain et des terroristes qui ont attendu la population? Ça veut dire que, messieurs les journalistes, les peuples congolais découvrent de plus en plus les vrais ennemis. Le vrai ennemi, c'est qui? C'est les Nations Unies. Le vrai ennemi, c'est qui? C'est l'EAC qui collabore et qui complote avec le M23. Le vrai ennemi, c'est la SADC et ces autres organisations qui nous appellent à dialoguer avec des terroristes. Mais au nom de la paix, il faut toujours dialoguer, monsieur Moïse. Les vrais problèmes, en fait, quand vous parlez du dialogue, ou même quand il parle du dialogue, il faut aller au-delà, il faut parvenir à dénicher ce que cache ce concept-là, ce verbe-là, dialoguer. Vous pensez que ce n'est pas pour rien. Ça veut dire qu'ils veulent que nous puissions nous faire des concessions avec l'ennemi. Ils veulent que nous puissions une fois de plus approuver l'intégration des éléments
rebelles UCD 1-23 qui ont endetté nos populations. Ils veulent assez que les aventuriers comme Willy Ngoma, Bertrand Bissimwa et tous ces acolytes intègrent le force loyaliste. Et qu'est-ce que vous voulez de notre FRDC? N'est-ce pas que nous aurions encore une fois de plus une armée effectivement infiltrée, une armée effectivement à la solde de M. Paul Kagame? Ne soyez pas surpris alors, messieurs les journalistes, que demain ou après-demain, si on évolue dans cette logique, que nous puissions encore avoir un James Kabarebe à la tête de notre armée. Mais c'est ce qu'ils veulent. Effectivement, ça nous craignons. Si on approuve l'intégration des rebelles dans les forces armées démocratiques de notre pays, le FRDC, à la longue, messieurs les joueurs, c'est que V. Kagame, c'est que nous ayons un chef d'état-major général issu effectivement de son groupe armé, la M23. Ce qu'ils veulent, c'est que nous ayons des généraux effectivement qui sont issus de ces groupes armés. Ils veulent que nous puissions avoir effectivement des colonels qui sont venus de ces groupes armés. Et moi, je crois que là, nous serons en train de... l'histoire sera en train de se répéter et ça sera vraiment insensé. Même ceux qui se sont bâtis au prix de leur sacrifice pour que nous puissions avoir cette souveraineté et qui est la nôtre aujourd'hui. Je parle ici de Lumumba, je parle ici de Lick Nkulula, je parle ici de Obadi, je parle ici effectivement de Kim Pavita, je parle de tous ces grands hommes et ces grands esprits qui se sont bâtis. Le professeur Godefroy Kamana, je crois qu'ils ne seront pas fiers de nous de voir le Congo être dirigé par des étrangers. J'en parle. Et je profite aussi de cette occasion pour même évoquer la question qui est aussi à la table aujourd'hui. Peuple congolais, n'acceptons pas qu'un monsieur qui est venu des laboratoires occidentaux puisse diriger notre pays ou puisse prendre en destin notre pays. Peut-être on en parlera prochainement. C'est un débat très spécifique. Je parle des élections. Le peuple congolais ne va pas cautionner un monsieur issu des laboratoires occidentaux pour diriger son pays et orienter son destin. On en parlera, je vous en dirai plus. Vous voulez parler de Mukwege? Revenons à nos moutons. Alors, on finit par cette actualité aussi de nos voisins. En tout cas, il faut préciser qu'au Rwanda, Human Rights Watch dénonce la traque des opposants à l'étranger. Dans un rapport publié mardi, l'ONG de défense des droits humains documente la stratégie d'encerclement du régime de Paul Kagame pour museler toute dissidence. En tout cas, c'est grave ça. Hein? Et cette organisation dénonce en tout cas la traque des opposants à l'étranger. Tout à fait. Chez Kagame, c'est toute une dictature à outrance. La prière de plusieurs Africains aujourd'hui, c'est de voir ces messieurs céder le perchoir. Je vous dis, si Kagame, effectivement, quitte effectivement la tête du Rwanda, peut-être que nous serons en paix. Et le président Tshisekedi l'avait dit lors d'un discours récemment, que nous n'avons pas un problème directement avec le peuple rwandais. Je peux vous dire qu'il y a des Rwandais qui sont en bon terme avec nous, monsieur le journaliste. Vous le voyez avec nos mamans qui traversent et qui font les petits commerces. Parfois, il n'y a pas de problème. Mais en fait, c'est au niveau politique où il y a les vrais problèmes. Et les vrais problèmes, c'est qui? C'est ces messieurs-là qu'on appelle Paul Kagame. Donc, les souhaits aujourd'hui de plusieurs Africains, mon souhait à moi, Moïse, le philosophe, c'est de voir Kagame quitter là-bas. Parce que même son pays, non seulement qu'il est dans la dictature à outrance, mais je vous dis, la liberté d'expression n'existe pas au Rwanda comme ici. Vous pensez qu'au Rwanda, il peut y avoir un monsieur, un courageux comme moi, qui peut juste donner ses avis? Il n'existe pas. Merci. Ça veut dire que notre souhait, c'est que Kagame laisse effectivement ses perchoirs à quelqu'un d'autre qui sera un peu humain et qui va devoir permettre à ce que les Rwandais essaient un peu d'être en bon terme avec notre pays. Surtout que je rappelle ici, nous demeurerons de voisins éternels. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas laisser à ce qu'il y ait des fissures historiques à cause d'un seul monsieur, cause d'un seul génocidaire. Merci, mesdames et messieurs, nous avons regarder ce Congo Live. Numéro de téléphone, Moïse. Plus 243 99 25 42 946. Merci, mesdames et messieurs. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bye bye.